Assalamu alaikum, bonjour, bienvenue dans la chaîne du Pécone de Shabab. Ici, on est en direct de Toile Lendemain, à Lommel, à l'Open International de Belgique, Open G2. Ici, c'est un championnat international où se décide les sélections. Donc, c'est ici que tous les compétiteurs se réunissent. Et ceux qui ont le plus de points, c'est-à-dire des points remportés par combat remporté, c'est ceux-là qu'on sélectionne pour l'équipe nationale. Donc c'est un rendez-vous international qui se fait une fois par an. Ils ont 6 terrains, 1, 2, 3, 4, 5, 6, et 6 terrains de l'autre côté, ce qui fait 12 terrains. Et chaque compétiteur, il combat dans un terrain par rapport à son poids. Voilà. Ici, les athlètes sont en train de s'échauffer. Donc, pour les enfants, les jeunes, qui ne savent pas ce que c'est qu'un Open, c'est ici. Open de Belgique, Open d'Hollande, Open d'Allemagne, Open d'US. C'est ici que les athlètes viennent chercher leur point de sélection. Donc, hier, c'était les seniors. L'équipe nationale espagnole, l'équipe anglaise, l'équipe américaine, toutes les équipes nationales. Ils ont combattu hier. Ils sont partis. Aujourd'hui, c'est les juniors. Donc, il y en a qui sont membres de l'équipe nationale et il y en a, c'est des clubs qui viennent chercher leur point de sélection. Ce que je conseille aux jeunes qui veulent faire de la compétition, c'est de ne pas se précipiter, prendre le temps et de passer par étapes. Et surtout, avoir une bonne préparation. Éviter de venir en tourisme, passer comme ça, faire des photos, c'est pas l'objectif. Donc quand tu n'es pas prêt, tu reportes ton championnat. Et surtout en ce qui est physique. Physique, technique, tactique. D'accord? Donc si tu n'as pas de préparation, un bon préparateur, quelqu'un qui a une expérience, là, je vais me planter là, comme moi. Quelqu'un de l'expérience qui sait ce qu'il fait, éviter ce genre d'open. Et surtout en senior. Une fois que tu es en compétition, le mieux c'est de commencer jeune, cadet, junior. Le mieux c'est cadet, ça te donne le temps de te préparer, avoir des transitions pour monter. Mais tout ce qui est senior, quand tu n'as pas une bonne préparation, c'est difficile. Voilà, les élèves, je les ai préparés. Ils ont une très bonne préparation physique. Mais malgré ça, il a subi la charge face à un champion de l'équipe nationale espagnole. Hier, au premier tour. Donc il a subi la charge, la puissance de son adversaire. Malgré une préparation. Donc je ne te dis même pas si jamais tu ne te prépares pas et si tu viens comme ça. ديالنا حنا في المغرب في تونس بلاد العرب هذا اوبن بلجيكا البارح كان في الكبار واليوم الصغار وننصح الاخوة الشباب الذين يريدون يلعبون في هذه المباراة ان يستعدوا للتدريب بالتدريب اليومي أو بالجدية في الشغل. لا تدخل في هذه المباراة مثل هذه المباراة الذين يلعبون فيها كبار اللاعبين. لا تدخل هكذا. تدخل بالتدريب وبالتدريج. يا إخوان قلنا اللي يبغوا يلعبوا هذا الشيء المباراة بحال هادو يمشي للتدريب يتعلم يعطي الوقت لراسو وباذن الله داك الشيء يكون خير ما تمشيش كوم سا تبعونا تايكوندو شباب غادي نعلمكم هاد شويه بشويه كيفاش تطلعوا هاد المباراه ان شاء الله ابلوش
السلام عليكم، إلى اللقاء.